but. Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est la Ségrie Atomique. Aujourd'hui, on se retrouve avec le frérot, le sang de la veine du Yep, ici présent. Mama, présentation de son bolide A45 AMG, phase 1, 360 bourricots. Et combien de newton mètres? 450 d'origine. 450 d'origine. Enfin, du moins, tout ça d'origine. 2 litres turbo Garrett. Et voilà, hein. Pneus en. Enfin, jantes en 19. Et. Mais bon, tout ça, c'est. Quand elle était encore d'origine, quoi. Waouh! Tu as lu le mode d'emploi? Maintenant, on va vous présenter un peu toute cette Ségrie de modifications. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Le frérot sur cette belle Ségrie là. Comme tu l'as dit, c'est une A45 AMG 2014, donc les phases 1. On a changé quelques trucs esthétiques, comme on a fait les rajouts des. Comme ils disent, les becs de canard. Les ouais. De canard, tu vois. Les beaux becs. Ça, Top Ran, bien sûr, AliExpress. Top Ran ça, on ouais. Aime ça ouais. La calandre aussi, pareil. Calandre, ouais. Elle était grise. Alors, on l'a mis couleur de la Ségrie noir brillant. Ça, après sur l'avant, il n'y a que ça. D'ailleurs, quelle merde pour la changer, cette calandre là. Ouais, c'était magnifique. Du coup, après, qu'est-ce qu'on a. C'est les jantes en 19, hein, qu'est-ce qu'on a. Quelle modification interne, on va dire, il s'est produit. Ah, c'est produit. Ouvrir le capot. Ou voir ce beau capot. Mama, faut dire aussi que on a récupéré un outil GPS, on va appeler ça comme ça, du moins une acquisition de données GPS au 001 près des drag race des cellules et qui s'appelle le Draghi et qui nous mesure le 0 à 100, 250, enfin peu importe, on peut le régler comme on veut. Et du coup d'origine on a étiré, ça fait bien 4 secondes 6 comme le constructeur. Depuis on en avait fait faire une petite gestion chez un ami qu'on va pas tarder à aller voir. Du coup elle sortait combien un peu moins de 400, enfin quasiment 400 chevaux à la roue. 400 chevaux à la roue et 580, presque 600 Nm de couple. Quasiment 600 Nm, ça commence à pédaler là mon copain. Ouais, full stock bien entendu. Et du coup après ça au final c'est chauffé, on a mis la boîte à air, la kit admission, gros volume avec un beau green filtre, petite chaussette forge du Garrett. Et bien entendu on le voit pas mais en dessous il y a le King Cobra, putain. Barre anti-rapprochement alpha aussi. Et voilà, il y a déjà la ligne performance avec valve auto. Donc voilà, maintenant, tout à l'heure, on va aller lui faire une petite gestion parce que qu'il nous refasse propre chez mon ami toutes les modifications qu'on vient de se faire et on va voir qu'est-ce que ça dit hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va cracher des flammes. Est-ce qu'elle va brûler le banc ou pas? Est-ce qu'elle va brûler le banc? Ah oui, attends, on n'a pas à montrer aussi, il y a l'aileron. Le bel aileron. Aileron made in China. Aileron made in China. Qu'on a mis et le diffuseur du saigne. Gazi l'auto. Gazi putain. La K47 du Seine tellement elle crachon.
Maman. Maman, l'auto du saigne. Turbo AMG, ils auraient dû mettre Garrett AMG carrément. Ah, et attends, on a oublié le petit crachoir. Faut pas oublier ça, on le voit pas. Je sais pas si j'ai. Non. On le voit pas, mais là derrière, là, il y a la. Là-bas. Ah, tu la vois, là, tu la vois par en haut. Ah, ouais. Alors... Là, en fait. Ah, mais là sur le tel, je crois qu'on voit un Zub. Ouais, mais tu vois, elle est noire en plus. Ouais. Bref, et du coup, avec. Il y a la Dumbval Forge. Ce qui laisse. Ça laisse pas indifférent. Voilà, c'est ça. Ça laisse pas indifférent, j'ai envie de te dire. Donc voilà, ben on va se retrouver tout de suite chez le poteau du banc qui va nous faire la petite gestion. On va voir ce qu'elle crache l'auto hein, sur le banc. Re l'équipe, on est arrivé. On est arrivé. C'est ici que tout se passe. SAE, les gars. SAE perf. Mama, quelle seigneurie. On va aller voir l'ami. Il est là, l'ami. Quel gars. Comment tu vas, mon ami? Bah, nickel, impeccable. Ici, c'est lui qui gère tout, le boss de chez boss. Vous, ici, on s'arrête qu'à la navette spatiale. C'est-à-dire qu'on fait tout. On fait tout, l'équipe. Là, il va nous sortir. Là, l'auto, elle va brûlons sur le banc, carrément. Brûlons sur le banc. Qu'elle va. Il va la rentrer. Maman. Ah oui, il y a notre ami Anto qui nous a rejoint. Quelle seigneurie! Donc du coup, on va... Je vous montre un peu comment ça se passe dans les locaux des travers de port, monseigneur. C'est ici que la magie opère. Hein. Quel régal. Bon, pronostic, combien tu penses que ça va envoyer, là? Ah, généralement, par rapport à... Ah, ce qu'elle t'a fait avant, 15-20 chevaux de plus. Ouais. Et pareil, 20 Nm. Enfin, tout dépend comment va réagir le turbo. Ouais. Face à. Combien? Oh, il n'y a plus de bougeon. T'avais un ou deux katas? Il y en a qu'un. Un, sur le down. Il y a un gros et il y a la ligne performance. Parce que je savais pas qu'il y a la ligne performance dessus déjà. Donc, ouais. Après, il y a un petit silencieux seulement. Valvoto? Que t'as derrière? Ouais. Est-ce que c'est pas beau ça? Banc 4 roues. Des Supra, t'en as déjà passé des Supra? On aime ce genre de ségris. Ah bah le mec il décède. Ah bah, ah bah là il. Ah, là l'auto, bah, l'auto elle brûle. À côté, je fais disparaître le corps. Hein. Je veux pas trop le. L'auto elle brûle sur place et le corps avec. Comme ça il brûle avec sa caisse le mec. Il est content. Tu vois ce qu'on avait passé celle-là? Ouf, c'était il y a. Il y a combien de temps? Il y a septembre ou peut-être ouais. Ouais septembre. Non. Ouais si c'était l'année. Bah c'était l'année dernière. C'est longtemps. Eh ouais. C'est dollars, je pense. Ouais. C'est quoi du 380? 360? 360 c'était. 360 d'origine. Mais du coup là je pense que là la dernière fois combien 396 tu on lui avait sorti un truc comme ça. Là à mon avis avec l'admission et le truc elle a déjà dû grimper à mon avis. Sans les admissions. Pas te faire peur mais. Il faut amener deux Golf 7 GTI Perf. Ah ouais. Des nouvelles. Une avec une admission APR toute carbone. Un truc de fou, vraiment, un truc à 1000 balles. Ouais. Et une origine. Et bah, celle qui était avec la, l'admission en carbone et tout, elle sortait 10 chevaux de moins que celle d'origine avec la. Arrête. Oh. T'imagines le truc? L'autre il a 1000 balles dans la. Ouais, mais là, l'admission, tout est prévu quand même. Ouais, enfin c'est vraiment prévu pour quoi. Donc, des fois, ouais, mais là je pense qu'on a gagné. Tu sais pourquoi? Parce que nous, comme je te dis, on a le système on a digne des plus grands, tu vois, des cellules chronométriques.
Et on a gagné, tu gagnes encore au 0 à 100. Ouais. Ouais, ah, donc, là, je pense que ça a dû y faire, à mon avis. À mon avis. Hein. Après, autant elle sort vachement de moi. Hein. Non, la puissance et coupe le max, ça peut ne pas être différent. Mais par contre, après, en termes de reprise et tout, peut-être que ça va faire plus d'air. Tu vois ce que je veux dire? En termes de dynamique, ouais. C'est peut-être mieux. Ouais, bah, après, la ça. Mission d'origine sur celle-là, quand même, elle était chez nous. Parce que c'est en fait, tu sais, c'était gros et ça partait vraiment petit. Tu vois, il y a un. Alors que bah c'est... Après c'est normal, hein. c'est pour créer en fait une venturisation. Ouais bah, parce que le problème c'est que si tu ouvres trop en grand, ça, quand tu rétrécis en fait les diamètres, que ce soit de l'eau ou de l'air, ça augmente la vitesse de l'air. Quand tu laisses trop grand, ton air il rentre beaucoup moins vite dans le turbo. Ouais c'est moins ouais. Enfin, oui, c'est ouais, pour ça que souvent ça part comme ça, et après ça se réduit. Ouais, t'as un réducteur, mais en fait c'est comme ça et ça va au turbo comme ça, toi par exemple. Ouais c'est ça. Après voilà, c'est un réducteur qui a la source. Ouais. Mais là c'est vraiment bouché quoi, c'était un peu muscle quoi. C'est pas beau ça. Quel régal. Ah mais je crois. Il manque plus que tirer au milieu. Je crois que l'équipe, je vais m'acheter un stab pour de vrai parce que tu sais la perche à force de la tenir comme ça, bras tendu, maman l'avant-bras il... à croire que le téléphone il pèse 10 kilos. Tu sais genre. Ouais, après. Ouais, voilà après à la. À la. Mais non commencer. Avec Stallone là, putain. Get over the top. Tu connais? Bien sûr, vous le roulez. Ouais, le camion. C'est 2000 combien? 2014. La Rocco, tu détends un peu le chibon là. Et tu mets la main à côté là, comme ça là, déjà. Tu forceras moins là, si tu le détends. De quoi? Mais là, au lieu de rester tendu. C'est quoi? Pour moins forcer, tu fais porter à quelqu'un d'autre. Voilà, regarde. Là, tu peux le mettre plus loin et tu mets plus vers toi. Bah, il est. Le chibron, il faut le. Attends. C'était scoop. Ah ouais, mais là, frérot, on va sur la lune. Non, mais non, mais toi, tu rapproches ta main. Et toi, comme ça, moi, voilà. Ah ouais. Et là, au moins, tu forces moins. Ah, quel gris. Ouais, mais est-ce que c'est toujours bien dans l'alignement? Ah là, t'es encore mieux là. Ah, t'es encore mieux. Mais là, t'es... Là, t'es en mode grand angle. Grand angle. Qui grand angle? Regarde. Regarde-moi. Toi, je mets le chibron. Voilà. Maman, quelle seigneurie! Mais sire, quelle est donc cette belle seigneurie? Et encore tu peux le détendre encore un peu. Hein. Il reste un peu de marge là. Il faut l'huiler un peu, non? Ouais, mais faut il faut le graisser le machin un peu. Mais il allait dans l'eau, hein? Ah, il allait dans. Regarde, tu le tords dans le machin! Ah oui, mais après, c'est un truc à. Ouais, c'est pas renforcé, ça. Ah, il plie le truc là. Ah, mais le téléphone il est trop lourd. Maman, la canne, tu pêches le poisson avec ça. Bon, il y a sort peut-être que 240 chevaux. 240 bourrins, un poney. Ouais, faut éviter de garder ça dans ta voiture. Elle est revenue à 360, d'origine. Allez, on... Faut essayer de garder, si tu dis ça, le garde pas dans ta voiture. Parce que c'est un gros crash dehors. T'es en vrac dans la voiture, ils emmènent ta voiture, l'expert il passe, il voit ça dans la voiture, t'as tout pour ton cul. Hein. Je cherche même pas... Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais. Ah c'est vrai que c'est pas... l'équipe gardait pas tout ce qui est préparation dans la caisse, c'est vrai. Pas de traces, exactement. Cadavre, on le dissout dans l'acide. Ça se dissout net. Et après tu brûles, pas de traces ADN non plus comme ça. Un coup de scie de banque et elle dit t'as dû à la saleté. Ça c'est bon. Moi je me sens bien ici. Moi je me sens bien moi. Tu te sens bien toi là-dedans? Moi je me sens dans mon élément ici. Ouais. Ça rappelle des souvenirs. Ouais. C'est une électrique ou une thermique la bagnole? Électrique. Ah ouais? D'ailleurs. 400 chevaux. Tu sais quand elle te l'arrache le banc celle-là mon copain? Celle-là là, guette ça. Le banc là, elle te le coupe en deux. En deux. Il n'y a même pas assez de sangle en titane pour la tenir. Ouais, d'ailleurs, je t'ai pas dit, gros. J'ai récupéré... Je me suis fait un petit plaisir. Parce que, bon, toujours pareil, petit plaisir. Mais qui dit plaisir, dit que c'est affaire, tu vois. C'est pas, il n'y a pas de plaisir sans affaire. Tu sais très bien, qu'il n'y a pas de plaisir sans affaire. Mais tu sais ce que j'ai récupéré? Enfin, que ce qui arrive... Je me suis récupéré une petite RC thermique que je voulais depuis tout petit. Oh, une thermique en plus. Et en plus, à boîte de vitesse.
à boîte de vitesse, gros. Là, tu t'es lancé dans un truc. Non, non, je kiffe. Je kiffe, te casse. Ah, comment elle crachons déjà, à peine démarré, elle brûlons sur place, l'auto. Bon, du coup, on va voir déjà combien elle refait, autant... Comme il a dit, ça sort même plus ses chevaux, hein. La belle soufflerie. Hé, t'as vu? C'est les mêmes... C'est le même souffleur que dans l'autre qu'il a mis sur sa... Il a branché, tu sais, sur la Camaro, là. C'est la vidéo qu'on avait vue, là. T'avais pas montré la vidéo, là? Le mec, il a une vidéo sur YouTube en Amérique, ils font des tests sur la Drag Race, pareil. Ah oui. Et le mec, il a deux... Au lieu de mettre un turbo, il a mis deux gros souffleurs, comme ça. Oh, le bruit. Il les perd en haut. Après, il les perd en haut. Oui, je m'en passage déjà du coup juste avec l'ancienne gestion
Et nous, on avait rajouté la mission, la downpipe, des katas et la dump. Anciennement, elle faisait 396 chevaux. Et là, on est à. On a combien à 418 et 500. Voilà, oui. 588 newton-mètres. 1588. What the fuck, man? C'est la seigneurie, cette auto là. Voilà, maintenant, bien entendu, c'était avant la gestion. On va voir que ça gratte. Où c'est que ça va chatouiller quand il aura fait son boulot magique, l'équipe. On va le laisser travailler. Et on revient voir après. Bon alors, du coup, gestion finale. 429 et 612 newton-mètres. Combien? 400... 429 et 612. Ça va. 429 chevaux et 612 newton-mètres de couple. Après, aller au-dessus, on va être limite en termes de température et tout. Ouais, on va mieux faire un peu de propre. Et... Non, l'équipe, voilà, verdict, qui régale. J'espère on va voir la courbe. Bon, on la voit pas top, mais de toute façon, on la sortira aux feuilles de banc. Du coup, je vais aller dehors parce qu'on n'entend pas grand-chose. Voilà. Je vais aller dehors parce qu'on n'entend rien. Mama, du coup, l'équipe, là, on s'entend mieux. Du coup, verdict final. D'origine... 340 chevaux roues à son banc. Et ben là du coup on passe en phase finale avec des katas, boîte à... enfin admission, donc boîte à air parce que il y en a ils aiment pas ce terme. Admission, la dump et la ligne performance bon, qui était déjà dessus d'origine avec les valves automatiques. On est à du coup 430 chevaux et 612 newton-mètres de couple aux roues, bien sûr pas au moteur, donc au moteur c'est plus forcément. Donc voilà, ce qui est pas mal. Maintenant, on va aller essayer ça sur notre drag race, la piste d'essai privée, qui n'est pas ici d'ailleurs. Comme ça, on va aller voir qu'est-ce que ça crache. Mais à mon avis, l'équipe, la gomme, elle va fumer. Bon, ben, c'est la fin, l'équipe. Hein. C'est la fin. Tester ça sur la drag race, maman. Bon l'équipe, on remercie bien. Je t'ai affiché le notre bon ami. Sage-page, c'est SAE. On remercie Olivier, le frérot ici. Saint-Laurent 06. C'est ici que la magie opère dans ces locaux. Franchement, il est au top du top. Franchement, vraiment, c'est un bout de pain. Si vous avez l'occasion d'y aller, accueil de fou chaleureux. Il fait le taf comme il se doit, il n'y a pas de... Il sait ce qu'il fait le mec, tu vois. Donc n'hésitez pas, le numéro il est sur la pancarte, derrière moi, 06 24 55 48 05 l'équipe. C'est dans la zone industrielle de Saint-Lô. Et voilà, hein. Nous on va aller tester ça maintenant sur la drag race pour que vous ayez un aperçu quand même si tu perds des secondes vu que ça va burner, du 0 à 100. Et voilà l'équipe, à toutes. Bon l'équipe, on est arrivé sur la drag race qui régale, du coup c'est ça que je vous parle.
c'est le Draghi, Go Draghi en fait. C'est un petit acquisiteur de données satellite qu'on fixe avec un aimant où vous voulez sur la caisse, faut pas qu'il bouge, relié au téléphone. Et en fait, il nous donne tout est réglé, il nous donne la force G, l'accélération, tout, 0 à 100, tout ça, et c'est précis aux cellules, vous verrez sur internet, il y en a, ils font les comparaisons, tous les Américains, ils utilisent ça. Du coup, vous allez voir combien fait ce Gamos de 0 à 100, quoi. Donc l'équipe, voici la Drag Race, qu'on appelle ça chez nous. Une ligne droite, plate, j'ai mon ami là-bas pour nous dire s'il y a des bagnoles ou pas aussi, parce qu'il faut pas prendre de risques, on va pas se mentir, hein, faut faire gaffe, mais elle est assez longue. En général, il n'y a personne. Enfin, sauf là, il y a de la circule, mais on attend toujours qu'il y ait personne, on les laisse passer tous devant. Et après, vous allez voir comment ça se passe. Hein. Qu'est-ce que ça raconte sur le téléphone. Donc en fait ça nous fait schéma comme une courbe de banc. Donc là on a la kilomètre heure, donc 0 à 100, 3 secondes 86. Malheureusement ça burn hein, comme on le pensait, mais bon ça fait les mêmes temps quoi. Et en fait il détaille tout sur l'appli, le 0 à 10. Putain là ça bouge dans la caisse, mais 0 à 10, 0 20, 0 30, 0 40, etc. Vous avez tous les détails, la pente et tout ça. Distance, combien de mètres vous avez parcouru. Donc voilà l'équipe. Hein. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En vous remerciant, n'oubliez pas de vous abonner, liker et les pouces bleus. Les fameux pouces bleus. Des mails pouces bleus. Des mails pouces bleus, il a dit. Et restez à l'affût, vraiment, restez à l'affût parce que du très très sale va incessamment sous peu arriver. Et j'ai envie de dire, on va se régaler. Hein. Allez, à plus tard.